Bonjour, je suis Changa Itoyo à l'état civil et mon nom d'artiste c'est Sorare. Je suis au Sénégal depuis bientôt 7 ans et je suis togolais. Je fais de la musique. Alors ma carrière musicale elle a débuté en 2010 alors que je militais dans le club UNESCO de l'université de Lomé. Et bon, j'ai fait un essai qui n'a pas vraiment vu le jour. Et voilà, l'année passée, en 2019, j'ai pu réaliser un petit album de 7 titres, plus un bonus que j'ai mis sur la toile en streaming. Et là, je viens de faire mon second clip. L'album a été lancé avec le premier clip qui est du titre Paradis, qui est sur YouTube. Et là, je viens de lancer mon second titre qui est Au revoir, qui est aussi sur YouTube. Mon album, que j'ai d'ailleurs intitulé Sorare, que je porte en même temps comme mon nom d'artiste, c'est bon, un album de 7 titres dans lequel vous allez voir des thèmes comme le voyage, l'immigration, l'amour du prochain. Et voilà. Il y a aussi, j'ai fait des exclusivités en cas biais où je dis un peu plus, en tout cas j'illustre un peu plus le chanté cas biais. Partie de l'amour de la musique world au départ, je me suis intéressé à cet univers parce que je trouve que c'est de la musique de recherche où l'on puise dans sa coutume, dans ses cultures pour l'adapter à la modernité. Donc souvent quand on me demande je fais quel genre de musique, je suis tenté de dire que je fais de la musique de recherche. Et bon, après tout, les avis sont toujours différents quand tu le soumets à plusieurs personnes qui écoutent. D'aucuns essayent de vous donner voilà, ce qu'ils s'imaginent comme orientation. Donc voilà, après, des gens se donnent des registres, disent que tu fais de la world, tu fais de la jazz, tu fais du jazz plutôt, tu fais quoi, de la soul musique. Et bon, voilà. C'est comme ça que je définis ma musique. Je dirais que c'est une musique de recherche. Les difficultés, elles sont d'abord d'ordre social, ensuite économiquement parlant. On parle de l'argent, parce qu'il faut investir. Avoir les inspirations, ça ne suffit pas. Et le travail aussi au studio, afin de donner forme à nos œuvres. Voilà. Après aussi, il y a toujours la difficulté de tous les jours qui sont la promotion, les opportunités, les invitations et tout ça. Donc voilà, on est en Afrique et c'est pas facile. Mes plus belles expériences que j'ai eues, c'est quand j'étais encore à Lomé, au Togo. Et l'une des plus belles, c'est quand je suis monté sur le festival Africa Rhythm pour avoir suivi une session avec Amen Viana, session de gestion de scène et de guitare. Donc je suis monté, on devait faire la restitution et j'avais le track, mais bon, le staff a choisi de nous mettre au devant et voilà, j'ai partagé un morceau avec un artiste slammer, Momo Kankua, si je n'oublie pas. Et la réception du public m'a vraiment touché. C'était un peu magique. À l'endroit de mes fans, je vous exhorte à aller sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube, aller découvrir Sorare. Aller aussi sur iTunes, Play Store, Amazon, les plateformes de streaming. Vous allez retrouver mon album Sorare. Il est là et il est en ligne, il n'attend que vous. Et voilà, faites un maximum de partage autour de vous. Et pour finir, aux promoteurs culturels, voilà, c'est grâce à vous que nous parvenons essentiellement en Afrique à nous mettre quelque chose dans la poche. Donc, bonne et heureuse année à vous et surtout, ne nous oubliez pas.